Good morning again, ladies and gentlemen. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Nous avons maintenant une session sur l'économie mondiale, le G8, le G20. Nous avons parmi nous Jacob A. Frankel, président de JP Morgan Chase International et ancien gouverneur de la banque centrale d'Israël. J'ai beaucoup appris de lui-même. Ilsa Sakong, l'architecte du G20 de Séoul, qui est l'émissaire personnel du président de Corée. Lourdes Aranha, qui est représentante personnelle du président du Mexique, qui organise le prochain G20 et qui est vice-ministre des Affaires étrangères mexicain. Je crois que le jour après le Conseil européen, nous ne pouvons pas passer toute une session sans parler des affaires européennes. Nous allons peut-être pas commencer avec ce thème, mais nous en discuterons et surtout, de quelle est votre perception par rapport aux résultats obtenus. Jacob, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire part de votre point de vue des grands défis de l'économie mondiale, puisque c'est le type de défi auquel doivent répondre le G8 et le G20, et c'est pour moi la manière la plus sensée de commencer notre table ronde. 6-7 minutes peut-être, votre point de vue sur l'affaire. Eh bien,